retrouver pour ce nouveau numéro de J'ai testé pour vous. Nouvelle aventure cette semaine, on va tester le roller hockey. Et donc tout de suite, on va retrouver Kevin qui va tout nous apprendre. Suivez-nous. Bonjour Kevin. Et bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il y a des petites bases de roller déjà, un petit peu peut-être? Rapidement, ça fait très longtemps. C'est tu vas monter ça, sur des rollers. C'est déjà pas mal. On va essayer de trouver un peu de matos dans le local qui va pouvoir t'aller. Casque, gants, coudière, genouillère, roller, culotte, crosse. Et avec tout ça, tu seras prête. Ok, voilà. Bah, c'est parfait. Et on s'équipe? Oui, c'est parti. Tu veux pas tomber, tu te penches toujours un peu en avant. Okay. Toujours. Tu plies légèrement les genoux vers l'avant. Comme ça, tu pourras aller aussi vite que tu veux, tu pourras pas tomber. Par contre, si tu te redresses trop, tu vas te lever et en fait, tes jambes vont partir en avant et c'est pour ça que tu tombes. Ouais, t'as essayé le slap, nickel, qui ressemble un peu au golf où tu vas chercher loin. Ouais. Là, maintenant, tu vas faire un balayer où là, va falloir aller chercher le palet plus loin derrière toi. Et comme si tu passais un grand coup de balai, tu amènes vers les cages. Pas mal. Bien ça. Voilà. Là, tu marques plus de buts que nos attaquants. Tu vas venir chercher en haut, un peu comme le golf, mais avec la main plus basse. Au golf, tu vas avoir les deux mains collées. Là, tu vas avoir la main un peu plus décalée. Et avec les épaules, tu vas propulser pour taper dans le palet. Pas mal. Ouais! Bien! Voilà! Voilà encore! Voilà encore! La mitraillette du bassin! Par contre, on va partir de là et on va essayer de faire le tour des ronds en 8. Ça a l'air tout bête, je suis sûre que c'est pas si simple. On va aller moins vite déjà. Allez, c'est parti! On croise pas encore. Hein. Je suis essoufflée. Ça paraît tout bête, mais c'est hyper physique. C'est clair, monsieur en nage. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Bon, les profs, on passe à quelle étape maintenant? Corsaire! Et moi, je vais jeter le palet au milieu, vous allez devoir le récupérer dans votre équipe, attends, ok? Et attends, elle est où mon équipe? Il faut que je l'envoie derrière. Toi, faut que tu l'envoies vers l'arrière, et toi aussi vers l'arrière. Ok. Oh! Et là, on fait quoi, nous, du coup? Voilà, on récupère. Ah, d'accord. On a joué 2 minutes. Et moi, à la fin, j'avais compris. Je restais devant le but. Là, on est un petit peu inquiète. Ils sont tous partis, on ne sait pas où. Et je crois que c'est l'heure du bizutage qui s'annonce. Ils ont vu qu'on se débrouillait pas trop mal. Et donc, du coup, ils veulent nous tester encore plus. Bon, on ne sait pas ce qui nous attend. On se dit à tout de suite. Ma carrière de gardien s'arrête là, je crois. C'est vraiment très très physique. Bon, après, on s'est éclaté. C'était vraiment super drôle. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un sport intense. Hein. Merci beaucoup pour cette découverte. Merci beaucoup pour cette découverte. Avec plaisir. On rappelle simplement qu'il y a des sections loisirs, débutants, roller tout simple, des sections féminines, des sections mixtes. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à franchir les portes du club des Corsaires. Super ambiance garantie. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir.